Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur 01net TV pour votre rendez-vous dédié aux startups. C'est Village Startup, ici depuis le village Baïséa au cœur de Paris. Nous en sommes à la 7e édition et une édition un peu particulière, mon cher Jérôme, car c'est la semaine de l'innovation Engie. Ah tiens. Et tout à l'heure d'ailleurs, on s'intéressera à une startup qui est poussée par Engie. On en saura plus dans quelques instants. Au sommaire de ce Village Startup numéro 7, on va parler de sites de rencontres. On n'en a jamais parlé. C'est vrai. C'est l'occasion, un marché super chargé, on va dire. Donc il faut être original pour se démarquer. Vous allez voir que celle-ci est plutôt originale. On verra également un service de conciergerie de proximité, un GPS pour sportifs extrêmes. Ça va avec le site de rencontre. On peut dire ça comme ça, d'accord. Ouais. Et puis on terminera par du concret, une application pour trouver des places de stationnement en ville. Et puis un invité tout à l'heure, Thierry Leperc, qui est le directeur de la recherche et l'innovation d'Engie, qui nous expliquera justement ce qu'est cette semaine de l'innovation qu'on est en train de vivre ici au Village Baïséa. Soyez le bienvenu pour ce 7e Village Startup. Mon cher Jérôme, c'est reparti. Oui, bonjour Victor Saison. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tout jeune, vous arrivez de Lille. Oui, tout à fait. Et vous représentez la start-up dont vous portez le nom sur la poitrine. Tutti Flirti. T-shirt. Du Tutti Flirti. Alors la règle du jeu dans Village Startup, c'est que vous avez 6 minutes pour on est très strict, tout nous attention. Dire. Je ne plaisante pas. Donc je lance le chrono, c'est parti. Et François va vous poser une question. Je peux vous poser une question. Donc Victor... Tutti Flirti, c'est vrai que Jérôme le disait en introduction, le marché de la rencontre sur Internet est un marché quand même assez chargé, hein, les Tinder, etc. Enfin, il y en a plein. Comment vous positionnez-vous justement dans ce domaine, sur ce segment ? Alors, il y a deux choses. Effectivement, c'est vrai que c'est un marché très chargé avec plus de 2500 concurrents directs, donc des sites ou applications de rencontre, 2500 et même un peu plus maintenant. C'est plutôt bon signe, justement. Ça veut dire qu'il y a vraiment un marché, un très gros marché. Et qu'effectivement, il y a un vrai besoin des consommateurs et des utilisateurs sur ces questions-là. On a besoin d'affection. C'est un besoin quasi primaire sur la pyramide de Maslow. On a besoin de rencontrer des gens de plus en plus. Voilà, il y a la solitude, le mal du siècle. Voilà, il y a les divorces, il y a les jeunes qui sont friands aussi de rencontres de ce type-là, puisque c'est complètement déringardisé, démocratisé. Il y a un chiffre qui l'illustre, c'est qu'il y a un couple sur trois l'année dernière, chez les 18-35 ans, qui s'est formé grâce à Internet. Donc voilà, nous... On s'intéresse à Tutti Flirti là-dessus. Pourquoi on intervient ? Parce que malgré tous ces chiffres, il y avait en tout cas, voilà, jusqu'en décembre dernier, un gros problème sur tous ces sites-là, c'est-à-dire Mythic, Adopte un mec, Tinder, Happn. Globalement, tous les sites et applications de rencontres, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire tant qu'on n'est pas au rendez-vous dans la vie réelle. Bon, il y a des photos quand même. Il y a des photos quand même, comme vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des photos, mais avec une photo... Même quand on est de bonne foi, ce n'est pas forcément la réalité. Vous voulez dire par là qu'il y a Photoshop qui passe par là parfois ? Photoshop, c'est vraiment on est quasiment dans la mauvaise foi, mais même sans aller jusque-là, effectivement, on est tous pareils, on met notre plus belle photo. On met la photo de Brad Pitt. Et puis celle où on est à la plage, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'on prend toujours son plus beau profil, etc. C'est exactement ça, celle qui date des fois d'il y a 10 ans, avant qu'on prenne 10 kilos, avant qu'on perde ses cheveux. Attention, Victor. Je touche du bois pour l'instant. Bon. Mais effectivement, et donc en fait, quand on arrive au rendez-vous, on a une chance sur deux d'être déçu. Les chauves ont aussi leur place. Oui. Les chauves ont leur place. Mais bien sûr. Mais il n'y a aucun problème avec la calvicie à partir du moment où la personne le sait. Et donc, comment vous innovez ? Parce nous, ça, c'est le constat. Il n'y a pas de photo chez vous. L'opportunité de marché, c'est ça. Tutti Flirti, c'est l'application anti-mauvaise surprise. On sait tout de suite à qui on a affaire. Notre promesse, si la personne ne vous plaît pas, vous le savez tout de suite. Et ça vous évite de perdre du temps. Et comment on fait ça ? C'est grâce à notre concept qui casse tous les codes des applications de rencontre. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de profil. Il y a quoi ? Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que des vidéos, des petites vidéos de 10 secondes. Type Snapchat ou type Vine. Donc voilà, on voit l'éloquence, le charisme, la personnalité, les mimiques, l'accent, tout ce qu'on ne peut pas avoir sur des chats et des applications traditionnelles. Ça peut être cruel aussi. Hein. C'est la réalité. Oui, mais c'est la réalité. Vie est cruelle. Victor a raison, c'est cruel, mais c'est la réalité. Donc en fait, je vais me présenter en 10 secondes. Bonjour, voilà, je m'appelle François, etc. Exactement. Vous pouvez vous présenter de manière formelle, où certains jouent de la guitare, se mettent en scène, font des trucs un peu marrants pour se démarquer. Et moi, si je cherche quelqu'un dont vous correspondez aux critères, c'est-à-dire un homme dans telle tranche d'âge et dans un rayon kilométrique déterminé... Lui, je vous le déconseille. Hein. Et chacun ses goûts. Et le quotidien, il est pénible. Hein. Mais bon. Je ne sais pas. Tu dis ça, mais si je n'étais pas là, je te manquerais. Mais ça a l'air de bien marcher quand même. Oh, ça va. Voilà. Et c'est des vidéos enregistrées ou en direct ? C'est enregistré, voilà, c'est asynchrone, comme on dit, type Snapchat. On reste appuyé sur le bouton, on enregistre. Et quand on est satisfait, on valide, on envoie la vidéo. Si on n'est pas satisfait, on peut la recommencer. Et quand il y a quelqu'un qui me plaît, je lui envoie aussi une petite vidéo comme ça. Ah, je peux envoyer une vidéo spécifique sûr. À une personne. C'est ça, voilà. Donc moi, je swipe parmi les vidéos. Quand une fille me plaît, j'appuie dessus et je lui envoie ce qu'on appelle un flirt.
Un flirt, c'est quoi? C'est aussi une petite vidéo de 10 secondes, sauf que pour le coup, elle est personnalisée. Il n'y a que cette personne qui va la lire. Et ensuite, elle me répond ou elle ne me répond pas. Si elle ne me répond pas, c'est qu'elle me met un vent potentiellement, tout simplement. C'est très facile. Alors, ça, c'est le pitch. Maintenant, vous en êtes dans le développement, dans la réalisation. Vous avez combien d'abonnés aujourd'hui? On arrive tout doucement à 100 000 utilisateurs. Donc, c'est super. C'est au-delà de nos prévisions. On est sorti le 21 décembre 2015. Donc, on va fêter les 6 mois dans quelques semaines. On n'est que sur iPhone pour l'instant. La version Android va sortir dans les semaines qui arrivent. On est très content. Il y a un très bon bouche à oreille. Et ça coûte combien? C'est gratuit. C'est gratuit. Bien sûr, c'est gratuit pour tout le monde, pour les filles comme pour les garçons. D'accord. Je vois venir la question sur le business model. On a un modèle économique, bien sûr, qui nous permet de monétiser entre 1 et 2% des utilisateurs masculins. C'est que le principe, c'est quand j'envoie une vidéo à une fille, je ne peux pas lui renvoyer une nouvelle tant qu'elle ne m'a pas répondu. C'est le principe de base de l'application. Alors que si je paye? Et si je paye, voilà, je peux hacker, je peux rompre cette promesse et je peux lui envoyer un flirt supplémentaire à l'unité. C'est 0,99 qui permet d'avoir une dernière chance de la séduire et de la relancer. C'est soit je la vois plus jamais. Soit deux vidéos, elle se dit en plus celui-là il est riche. Elle se dit il est riche et il a au moins un euro de cagnotte, quoi. C'est ça qui est bien. Non mais c'est vraiment ça, c'est pour relancer une personne voilà qui aurait pas encore répondu. Et c'est étonnant parce qu'on surfe véritablement sur l'instantanéité, sur la rapidité. On voit Twitter c'est 140 caractères, Snapchat c'est des vidéos de quelques secondes. Vous surfez sur cette rapidité en fait. Parce que là c'est 10 secondes la vidéo, c'est court. Techniquement on n'invente pas effectivement ces petites vidéos de 10 secondes. C'est un usage qui a été démocratisé, vous l'avez dit, par Snapchat. Tous les jours 10 milliards de vidéos de ce type sont visionnées. Donc c'est exactement la même chose, c'est 10 secondes maximum, on reste appuyé sur le bouton. Quand on lâche le bouton, la vidéo s'arrête. Et on effectivement, peut se comprendre. On si peut on reprendre, raté. On l'envoie ou on l'envoie pas. C'est très confortable, c'est facile à utiliser. C'est une sorte de selfie vidéo en fait. Et c'est un nouvel usage qui n'existait pas il y a 4 ans. Effectivement, maintenant qui est complètement assimilé, notamment par les jeunes. Voilà. Et effectivement, ça correspond tout à fait au marché de la rencontre qui n'avait pas... Voilà, en fait, on adapte ce modèle-là au marché de la rencontre. Des ambitions internationales, rapidement? Bien sûr, ouais, tout à fait. Là, on est sur une levée de fonds dans le Nord, donc qu'on est installé à Lille, 500 000 euros, qui va être validée pour la rentrée. On va pouvoir attaquer un petit peu plus en communication marketing, en acquisition. Le but, c'est d'aller chercher 300 000 utilisateurs à Noël, et là, d'aller convaincre encore peut-être des plus gros fonds d'investissement pour nous accompagner et dupliquer le modèle qui a déjà fait ses preuves dans les principales capitales et villes européennes, Dublin, Barcelone, Londres et Berlin. Et puis après, pourquoi pas suivre Appen, qui est un peu un modèle pour nous. Nos 6 minutes sont passées. Mon cher Victor, nous sommes obligés de vous clouer le bec. Mais avec plaisir. Merci pour votre accueil. Et tutti flirti, donc. Tutti flirti. Moi, je suis persuadé, ça c'est une dernière question, un bonus, que de toute façon, ça va devenir la règle et que finalement, les rencontres occasionnel et aléatoire entre les gens ou même durable de complètement on est pas exceptionnel là que pour, dans le futur même bambou mais puis partir même durable en fait nous c'est on est comme les patrons d'un bar qui serait ouvert toute la journée toute la nuit c'est pas nous qui disons si vous allez vous marier avec la personne ou quoi que ce soit on regarde on s'arrête là Victor sinon... on aura d'autres occasions de se parler bon ben voilà ça c'est pour Tutti Flirti et dans un instant dans ce village startup deuxième startup on va parler de Please à tout de suite. Nous voilà de retour donc au village Baïséa avec Constance Martina, Jérôme qui nous a rejoint. Bonjour Constance Martina. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Même punition, pendant 6 minutes vous allez nous expliquer le pourquoi du comment de votre start-up. C'est parti. Alors première question, c'est une start-up un peu particulière puisque vous êtes hébergé chez Engie en fait. C'est un pur produit Engie, c'est ça? Expliquez-nous. Tout à fait, on a été incubé par Engie il y a à peu près un an. Et voilà, donc on a grandi chez Engie aujourd'hui... On fait complètement partie du groupe. Mais vous êtes salarié d'Engie, vous-même ou pas? Oui, tout à fait. D'accord. Et avant, vous faisiez autre chose et vous avez décidé d'intégrer ce projet. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Mais vous restez au sein d'Engie. Je reste au sein d'Engie. Alors, qu'est-ce que c'est, Please? Même si déjà, le nom donne une petite idée, je trouve. Alors, c'est pas pour nettoyer les meubles, hein. Ça n'a rien à voir. Non. Celle-là, il y avait un produit de ménage, effectivement. Non, mais c'est pour ça qu'on parle, comme ça c'est fait, parce que je sais qu'il y en a plein qui allaient y penser. Donc voilà, c'est fait. Donc. Alors, Please, c'est une solution de conciergerie de quartier. L'idée, en fait, c'est de s'appuyer des commerçants, des prestataires locaux, pour apporter aux habitants d'un quartier des services au quotidien. Quel genre de service? Ça va être des services à la personne, des services au logement, des courses à domicile, des services plus spécifiques de conciergerie à la demande. Voilà, la livraison de restauration aussi du quartier. Donc je veux me faire livrer mes courses,
où je veux, je sais pas, je cherche une place de spectacle, comment ça se passe? Je télécharge l'application? Alors tout à fait, il y a une application mobile donc, sur laquelle vous êtes géolocalisé ou rattaché au travers de votre adresse postale. Mm-hmm. Et donc vous êtes rattaché à votre conciergerie de quartier la plus proche. Et donc là, en fait, vous allez retrouver tous les commerçants et prestataires, donc professionnels ou particuliers, qui vont proposer des services dans votre quartier. Et donc, vous allez pouvoir vous faire livrer vos courses des commerçants du quartier, avoir du babysitting pour vos enfants par quelqu'un du quartier. Alors, c'est ça qui est original, parce que la conciergerie, en tant que telle, en principe, c'est un service, ce sont des professionnels. Mais là, vous faites appel aux particuliers, à des amateurs, en quelque sorte. Alors, c'est ça. En fait, on fait un peu de l'Uber de quartier, oui, c'est ce qu'on dit. Voilà. En fait, l'idée, c'est de pouvoir aussi compter sur des personnes qui sont en recherche d'activités supplémentaires, des étudiants, des personnes retraitées, pour pouvoir proposer leurs services dans le quartier. Et donc là, en fait, ce sont des particuliers, mais qui vont proposer le service de manière professionnelle, en tant qu'auto-entrepreneur, qu'on va accompagner dans ces démarches-là, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile, et puis les gens ne savent pas toujours aussi comment faire pour s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Et vous les filtrez un peu, vous les castez, Alors, en fait, c'est un concierge vraiment sur place. L'idée, c'est que Please fonctionne par une application mobile et un concierge de quartier. Donc il y a le concierge de quartier qui, lui, va recevoir en fait tous les prestataires qui souhaitent s'inscrire dans l'application, et puis il va voir leur motivation, leurs expériences, et va pouvoir comme ça les inscrire dans l'application. Mais ce concierge de quartier, c'est qui en fait? Alors c'est un entrepreneur indépendant. En fait, on marche sous le système de concession de marque. Plus tard, certainement. Mais ça peut être déjà quelqu'un qui a un commerce, par exemple, ou pas forcément? Alors, ça peut être quelqu'un qui a un commerce, qui veut... Mais moi, par exemple, je pourrais devenir concierge de mon quartier, par exemple? Oui, vous pourrez être concierge de votre quartier. D'accord. Après, il faut vraiment... vous êtes indépendant, vous développez un business dans votre quartier. Il faut être motivé pour créer un business, en fait. Tout à fait. Et puis, il faut aller démarcher les commerçants, bon, même si on pense que les commerçants, pour eux, c'est aussi un nouveau canal de distribution. Mmh. La petite couturière du coin... Démarcher les commerçants, pouvoir recevoir des prestataires, créer une offre de quartier et aussi l'animer, parce que c'est aussi l'intérêt de pouvoir proposer aux commerçants de faire une offre promotionnelle de manière saisonnière. Et c'est rigolo parce que finalement c'est une micro-entreprise dans l'entreprise. Enfin, c'est ça, en fait, on fonctionne. L'idée, c'est de créer plein de petites conciergeries de quartier et de pouvoir recréer, en fait, à l'échelle d'un quartier, un écosystème, en fait. Alors, votre business model, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Alors, l'application n'est pas payante. C'est vraiment complètement gratuit pour les habitants. Et après, derrière, nous, on vient se rémunérer au travers de prestations de courtage, donc de petites commissions qu'on vient récupérer sur les ventes des prestataires et commerçants. D'accord. Et le concierge en lui-même prend un pourcentage sur les services qu'il va commercialiser, en quelque sorte, c'est ça? C'est ça, en fait, il va rendre accessible sur l'application. Ça augmente pas trop le prix des services, ça? L'idée, c'est quand même de conserver les mêmes prix qu'on retrouve chez les commerçants ou chez les prestataires. Mmh. Après, pour les prestataires ou les commerçants, c'est un investissement de se dire ils vont élargir leur vente et puis ouvrir un nouveau canal de distribution, avoir plus de clients, être accessible auprès de tous les habitants du quartier. Et vous en êtes où aujourd'hui? Ouais, voilà. Alors, on est en test sur un quartier ici, les Moulineaux. On va ouvrir prochainement aussi sur un quartier à Boulogne et on travaille avec des promoteurs sur de nouveaux programmes immobiliers, donc sur des éco-quartiers où on va intégrer directement un service de conciergerie, Please. C'est-à-dire carrément dans les nouveaux immeubles qui vont être construits, il y aura, pourquoi pas, je dirais, une antenne, Please. Alors, c'est ça? Tout à fait ça. En fait, on travaille avec les promoteurs aménageurs pour inscrire dans le programme une conciergerie Please qui sera présente physiquement, en fait, au travers d'un local, un bail commercial. Et, donc, comme un concierge, en fait. Comme un concierge, c'est ça. Et qui sera directement intégré À l'échelle d'un quartier, c'est ça. Oui, là, c'est pas l'échelle de l'immeuble, en fait. C'est pas l'échelle de l'immeuble, c'est à l'échelle du quartier. Et du coup, on a un nouveau programme sur un projet Réinventer Paris où on sera vraiment au pied d'un immeuble dans un petit local pour accueillir les habitants et leur offrir plein de services. Et donc, alors vous êtes en test, mais par exemple, moi j'ai un petit commerce dans un quartier, j'ai envie de me lancer dans cette aventure. Je peux d'ores et déjà porter ma candidature? Oui, tout à fait. Alors on a un site internet où on peut s'inscrire et puis voilà. Après, si vous découvrez une conciergerie Please dans votre quartier, n'hésitez pas à aller toquer à la porte et allez vous renseigner. On sera ravis de pouvoir vous enregistrer dans l'application. Tu vas pouvoir développer ton petit commerce de... C'est quoi déjà? Des émissions de radio, c'est ça? C'est ça. Ouais, de proximité. Exactement. Ça serait pas mal. Bon, en tout cas, merci pour ce concept très bien, intéressant. Bravo. Merci beaucoup, Please, Constance donc, Martinin. En test, on l'a dit, à Issy et de Moulineaux, ouais. Boulogne. Et puis peut-être bientôt, dans toute la France, on le souhaite. Il nous reste 4 secondes. Elle est déjà partie, Constance. Oui, elle est déjà partie alors qu'il lui restait 3 secondes. Mais tant pis. 1.
et voilà, c'est zéro, fini. Voilà, écoutez, ça tombe bien, puisqu'on va passer à notre troisième start-up qui va être Captures. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour. Et Captures, c'est un capteur, c'est un GPS. Bonjour Arnaud Loulier. Bonjour. Alors Arnaud dit Loulier. Comme ça, j'ai fait très court, hein, oui. GPS, mais évidemment, c'est beaucoup plus que ça. Co-fondateur donc de Captures, avant de vous poser la première question, on envoie le décompte. Le chrono, c'est parti. C'est parti pour 6 minutes. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que Captures ? Alors bonjour, Captures, c'est ce petit boîtier. Donc Captures s'adresse aux sportifs. Aux sportifs outdoor, donc les gens qui pratiquent une activité d'extérieur, ça va être la course à pied, le trail, le VTT, le ski, la randonnée, ceux qui partent loin et pendant longtemps. Donc ces gens-là, ils s'exposent à un certain nombre de situations à risque ou anxiogènes pour leurs proches. Non mais on le voit, chaque année il y a des drames. Hein. Il y a des drames, il y a 350 morts par an dans les Alpes. Qui, voilà, on se perd, enfin des choses comme ça, c'est assez terrible. Hein. Tout à fait, et donc notre but, nous, c'est de rassurer les proches, de permettre de donner l'alerte en cas de situation un petit peu imprévue, et également de partager les aventures, parce que tous les gens qui font des sports d'extérieur, des sports outdoor, sont assez intéressés à partager leurs aventures, sur les réseaux sociaux notamment. Donc c'est ce petit boîtier que vous avez là. C'est ce petit boîtier, exactement. Alors, je ne sais pas si on peut le voir, on le voit un petit peu, oui. Voilà. Donc ce petit boîtier, il contient... Vous le leviez comme vous le tenez tout à l'heure. Voilà, exactement. Là, c'est superbe. Là, il est magnifique, on le voit parfaitement. C'est super, merci. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors, donc il y a un GPS, des accéléromètres et un système qui permet d'envoyer les positions GPS qu'on reçoit sur Internet en temps réel. Ah, manuellement ? Alors, pas manuellement, ça les envoie de façon continue, automatique. L'innovation et la différence par rapport au tracker classique ou par rapport au téléphone qui utilise des réseaux GSM. Oui, voilà, parce que les personnes même qui font de l'escalade peuvent avoir un smartphone et donc un GPS aussi. Tout à fait. Avec des systèmes de géolocalisation. Exactement. Et donc, nous, on se différencie de ces systèmes-là en utilisant le réseau Sigfox, donc un réseau bas débit, longue portée, pour envoyer ces données-là. Donc en utilisant ce réseau-là, on consomme... Donc j'ai pas de carte SIM là à l'intérieur. Il n'y a pas de carte SIM, on a un émetteur Sigfox et on va envoyer les trams, donc les positions GPS, d'accord. Les positions GPS par Sigfox. Donc quel avantage ça a ? C'est l'autonomie. La quantité d'énergie utilisée par le réseau Sigfox est bien inférieure à celle des GSM ou d'autres technologies satellites. Oui, c'est basse consommation. Et donc on va offrir, une autonomie bien plus grande. Donc de plusieurs semaines à plusieurs mois, contrairement au téléphone portable qui, eux, tiendrait quelques heures et dont on conseille de conserver la batterie pour appeler en cas de danger plutôt que de faire de la géolocalisation. Ouais. Donc en gros, je pars un mois, je ne sais pas, moi je vais faire le GR20 par exemple en Corse. Excellent exemple. Hein ? Excellent exemple. D'accord. Voilà. On a une balise en ce moment sur le GR20. Exactement. Donc c'est quand même il y a des endroits qui sont faciles d'accès, GR20, mais il y a des moments un peu plus complexes. Exactement. Donc j'ai ce truc-là, je le glisse dans mon sac à dos, je le recharge, voilà. Et là je n'ai plus à m'occuper de quoi vous que ce soit. Rien à faire. Pas, en fait. Rien à configurer, rien à mettre en route. Vous donnez simplement l'URL, enfin l'adresse qui permet aux gens de vous suivre, et ils vous suivront. Vous recevrez toutes les 10 minutes. C'est toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, le réseau Sigfox, donc la limitation du réseau Sigfox, nous permet d'envoyer toutes les 10 minutes 3 positions. Donc on va avoir une trace qui se dessine toutes les 10 minutes. Sur des sorties de plusieurs semaines ou plusieurs jours, c'est largement suffisant. Ça peut rassurer les proches. Exactement. Et ça n'existait pas, ce type de dispositif ? Alors il y a des choses comme les balises Argos, il y a des systèmes d'urgence quand même, voilà, qui existent déjà. Tout à fait. Alors ces systèmes existaient sous une autre forme. Donc c'était toujours la même chose, c'était un GPS plus un système qui permet d'envoyer les données. Donc les technologies qui existaient juste là, c'était principalement le GSM ou le satellite. Et ces deux technologies-là, avec tous les avantages qu'elles peuvent avoir, consomment beaucoup ou sont très chères. Donc avec Sigfox, on résout ces deux problèmes. GPS basse consommation, c'est GPS ça temps réel, basse consommation. Est-ce que le réseau Sigfox couvre, on va dire, même les endroits les plus reculés de nos montagnes ? Parce qu'on peut imaginer que justement, là, on va se balader dans des endroits où on ne capte pas le réseau GSM. Et est-ce que si le réseau GSM ne capte pas, Sigfox, lui, va être présent ? Alors, ça fait un an et demi qu'on fait énormément de tests. Alors déjà, on a les données qui sont celles de Sigfox. Un peu plus de 90% de la population est couverte par Sigfox. En France et dans un certain nombre de pays d'Europe, aujourd'hui 12 pays sont... Oui, il y en a de plus en plus, c'est même... dans d'autres pays du monde. Exactement, hein. Sigfox s'installe aussi aux États-Unis. Ouais. Aujourd'hui, quand une zone est dite blanche, on ne peut avoir que des bonnes surprises. On a constaté nous-mêmes, même dans des zones qui sont vraiment très reculées, une couverture qui est largement honorable et largement suffisante
pour un usage longue durée. Parce que on cherche pas. Il faut que c'est très robuste en fait, donc il arrive. C'est robuste et simple. Voilà. Et plus on est haut, mieux ça marche. Donc ça nous permet également d'avoir tout le public de ceux qui font du planeur, du parapente, des activités aériennes là où il y a pas de, où on n'a pas d'obstacles. Là, on aura vraiment une couverture qui est quasiment totale. Et on peut imaginer par exemple, je sais pas, moi je suis victime d'une avalanche, etc. Ça marchera quand ça même. Ça marcherait encore malgré tout sous la neige. Alors, sous la neige, on n'a pas fait exprès de se mettre sous de la neige. On a fait quelques tests en enfouissant, ouais, en enfouissant la balise. Voilà, exactement. On cherche à se rapprocher de la sécurité maximum et à donner des informations suffisantes. On en discutait avec des pelotons de gendarmerie de haute montagne qui nous ont dit, même si vous arrivez à nous donner à savoir où était une personne une heure avant qu'on la perde, c'est déjà meilleur que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc, plus on en a, mieux c'est. Alors, rapidement, ça en est où ? C'est sorti ? Oui. Ça coûte combien ? Alors, aujourd'hui, on a lancé une campagne de financement participatif donc sur Kickstarter, go.captures.com, j'en profite. Donc, elle est depuis le 17 mai. Aujourd'hui, elle est financée. Aujourd'hui, on a 53 000 euros sur les 50 000 qu'on voulait. Donc, on a atteint notre objectif. Il nous reste 16 jours pour faire encore mieux. Donc, on a donné des objectifs un peu plus ambitieux. On livre en septembre nos premiers les balises qu'on nous ont commandé nos early adopters. Et ça coûte combien, ça donc aujourd'hui, elles coûtent 149 euros sur Kickstarter, elles coûteront 179 euros avec un an d'abonnement, un an de connectivité. Oui, parce qu'après, il y aura à renouveler l'abonnement à Sigfox, en fait. Voilà, qui coûtera 1,99€ par mois après l'année gratuite, ou les années gratuites, puisqu'il y a quelques offres en ce moment qui nous permettent d'en avoir plusieurs gratuites. Sûr. Parfait, bien voilà, les 6 minutes sont écoulées. Merci beaucoup. Super. Arnaud Loulier, donc cofondateur donc, de Captures. Merci à vous. Et vous êtes du Sud-Ouest, hein, je crois. À Toulouse, on est basé à Toulouse. Voilà. Chez, juste en dessous de Sigfox. Et voilà, c'est pour ça, vous êtes juste à côté, donc ça doit bien capter chez vous là-bas. Ah, impeccable. Merci beaucoup. Merci à vous. On va continuer à parler de localisation, de géolocalisation avec un système très pratique pour la ville, pour trouver des places de stationnement. Ah bah ça tombe bien parce que j'ai galéré là. Pour ouais, je sais que tu en aurais vraiment besoin. Et on enchaîne donc avec Casacar, Jérôme. Et Brice Feldis qui est avec nous. Bonjour. Bonjour messieurs, bonjour. Merci de me recevoir, c'est gentil comme tout. Bah, alors vous allez tout nous dire et comme vous l'avez vu, vos petits camarades, on lance le chrono, c'est parti pour 6 minutes. Qu'est-ce que c'est que Casacar ? Alors Casacar est venu bien le micro, bien dans la bouche. De l'idée, en fait, je suis un grand utilisateur de Waze et j'ai trouvé ça très pratique et à terme et vraiment en le côté rêve, ça serait devenir le Waze du stationnement. C'est-à-dire qu'on a lancé une application qui inclut tout ce qui est possible, inimaginable au niveau du stationnement, que ce soit au niveau, quel que soit le véhicule, que ce soit une moto, une auto. Vous êtes parisien, non ? Parce que pour penser à ça comme ça, de manière obsessionnelle, il faut être parisien. Il y a ça, il y a le fait aussi d'avoir une voiture et d'avoir des problèmes de stationnement sur Paris. Mais comment comptez-vous résoudre ce problème qui nous paraît insoluble, le fait de trouver une place de parking dans une grande ville, en fait ? Alors, on est basé sur le partage, en fait, l'échange entre quelqu'un qui va chercher une place et quelqu'un qui va libérer sa place. À savoir que c'est évidemment les mêmes tailles de véhicules. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes enregistré, vous avez enregistré votre voiture et la couleur, vous allez savoir, par exemple, qu'une Twingo va avoir le même type de place qu'une autre Citadine, donc, une C1, par exemple. J'ai une Twingo, j'ai téléchargé l'appli, et c'est au moment où je quitte la place. Par exemple, alors il y a le côté, si vous êtes en rendez-vous, il y a le côté je quitte la place, il y a le côté je cherche une place. Alors il y a deux personnes, c'est-à-dire que nous on est vraiment au milieu. Il y a le côté je retourne à mon véhicule, donc vous l'indiquez, vous savez le temps et la distance qu'il va y avoir pour arriver à votre véhicule, et quelqu'un qui cherche une place aux alentours va savoir qu'une voiture de la même catégorie va libérer sa place dans le temps dans qui est X secondes. Voilà, donc les deux personnes sont. C'est précis. Hein. Voilà, on essaie de faire en sorte. Oui, parce que c'est la synchronisation là qui est importante. Exactement. Exactement. L'idée, c'est que... Surtout à Paris, où là, au bout d'une seconde, quelqu'un déjà est à l'affût de votre place de parking. C'est terrible. C'est fini, on se croirait en pleine jungle. Hein. C'est pas évident du tout. Et ça veut dire que quand on quitte sa place de stationnement, on va la donner à quelqu'un d'autre, c'est ça ? On va la partager, ouais, tout à fait. On va la partager. On la partage avec quelqu'un. Enfin, en fait, vous avez le droit de faire ça ? Bah oui, il n'y a pas de... Mais la place, elle ne vous appartient pas ? Pas du tout, pas du tout. Non, c'est vraiment... Mais là, c'est qu'un échange, en fait. C'est un échange, simplement. C'est une mise en relation de personnes qui cherchent la même chose. Exactement. À aucun moment, vous achetez la place. Pas du tout. Il n'y a pas le côté argent acheté dessus. C'est j'ai une place. Donc, soit on informe... En fait, il y a deux solutions pour commencer. Soit on indique qu'on est garé, parce qu'il faut bien commencer par indiquer qu'il y a des places. Et les autres personnes disent effectivement, je quitte ma place, je retourne à mon véhicule et tout le monde est content, en fait.
Et vous savez même la couleur. Pardon d'insister, mais quand même, c'est la voie publique. Ah, mais tout à fait, mais ça n'a rien à voir avec le Il me semble bien qu'il y avait eu une chose comme ça qui s'était lancée à San Francisco et ils avaient eu beaucoup de problèmes avec la municipalité. Acheter, nous, on n'achète rien d'accord, du tout. D'accord, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent qu'il y a une différence. Tout. Qu'est-ce qu'ils achetaient à San Francisco ? Ils achetaient la place ? Oui, c'était des places, c'était au niveau. Enfin, je ne sais plus exactement comment ça se passait, mais il y avait un échange d'argent qu'on n'a pas du tout dessus. D'accord, c'est gratuit. Oui, exactement. Vous cherchez une place et quelqu'un qui se libère. Donc à la limite, si ça ne marche pas très bien, qu'on se fait malgré tout piquer la place par quelqu'un d'autre, on ne peut pas protester. Pas du tout. Et en plus, l'application vous géolocalise une autre place. D'accord. Donc vous n'êtes pas... D'accord. Mais malgré tout, c'est quand même... est-ce qu'il faut le dire qu'on... Par exemple, voilà, moi, on va quitter bientôt cet endroit, je vais récupérer ma voiture. Mmh. Il faut que je lance l'application, que je dise je vais partir. Ou est-ce qu'il y a un système automatique de localisation qui fera que, parce que c'est l'appli va détecter que je m'en vais, en fait? Non, ça, à terme, ça serait vraiment l'idéal, mais on ne peut pas au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que... Parce que si j'oublie, par exemple, que je me dis « Ah, zut, je suis dans la voiture », il faut que j'appuie sur le bouton pour dire que je libère ma voiture. C'est basé sur la bonne volonté. C'est trop tard, c'est en fait. La bonne volonté, comme ça fonctionne très bien avec Waze, comme ça fonctionne très bien avec les concurrents Coyote. Enfin, c'est un échange, on indique que c'est un réflexe à avoir, en fait, simplement. Après, c'est la solidarité des automobilistes exactement. Opprimés. Exactement. Ouais, on est bien d'accord. Et alors, combien vous avez aujourd'hui d'utilisateurs de votre appli ? On en a très peu, parce que ça fait un petit mois et demi qu'on commence. Ah oui, vous êtes tout petit encore. Tout petit. Mais on s'est vraiment, on a fait vraiment sorte de tout inclure. C'est-à-dire que quand vous êtes garé, vous savez à quel endroit est le rodateur le plus proche, parce qu'on est toujours en train de chercher quelque chose. Mm-hmm. Vous savez également... Alors maintenant, on peut payer même sans mettre de ticket. Hein. Pas encore chez nous. Encore partout. C'est pas encore non plus complètement... Enfin, il y a encore du chemin à faire avant que ça soit optimisé complètement. Et en fait, on a le côté... on ne sait pas s'il faudrait le dire directement, mais le côté... Dites-nous tout. On peut à terme aussi... Enfin, ça fait partie de l'application. On a une touche qui s'appelle « Et hop, papillon ». Ça c'est pas beau. Et ça, c'est... Non, c'est papillon. Oh, oui, c'est pas beau. C'est... Papillon. C'est un papillon. Donc en fait, vous informez la de la nature. Que vous voyez quelqu'un qui est en train de faire des misères à votre voiture. Oui, c'est exactement la nature. C'est... Mais et vous de l'autre côté, vous avez une notification si vous êtes garé dans le périmètre, comme quoi il y a un petit papillon. Il y a une distribution gratuite de papillons. Voilà, vous avez compris. Mais alors là, je rejoins Jérôme. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Et au papillon, ça nuit à personne. Non, mais d'accord. Bon, on joue sur les mots, si vous voulez, sur le côté. Y a parce qu'on a bien compris que ça servira si, par exemple, il y a des agents de force de l'ordre qui sont en train de mettre des PV. Exactement. Donc, je vais le dire. Mais est-ce que demain, vous n'avez pas, je ne sais pas, moi, la préfecture qui va vous dire « Attendez, monsieur Brice, ce n'est pas bien ce que vous faites là ». Non, pourquoi c'est on pas... sait que Coyote a eu des ennuis avec les radars. Oui, alors c'était juste au niveau des termes. C'est-à-dire que c'était zone de radar. Oui, et ça, c'est devenu zone de danger. Voilà, oui, mais aussi, ils ont enlevé la précision qu'on avait... Mais nous, c'est pareil, vous pouvez l'avoir dessus et en même temps, le fait de le dire et de vous l'informer, il n'y a rien, il y a les enlèvements par contre, oui, ça, c'est, il y a une autre touche enlèvement qui est dessus. Ah oui. Mais dans l'application. C'est alerte enlèvement. Dans l'application, je me perds. Voilà. Touche... On va venir après, chaque chose en son temps. D'accord. Mais sur le fait de. Une fois que vous êtes enregistré, vous avez la touche au rodateur, où une fois que vous avez mis votre argent, vous savez. Vous réglez vous-même le temps que vous avez mis dessus. Donc, en fait, ça veut dire que vous avez payé, en fait. On est bien d'accord. 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 Bon. Bah, très bien. Bah, écoutez, en tout cas, c'est malin. On demande qu'à vous croire. C'est ingénieux. Oui. Après, il faut le tester. Voilà. Kazakar, Kazakar. Exactement. C'est ça. Voilà. Très bien. Donc, à essayer. Parfait. On peut télécharger ça sur iOS et Android ? Oui, tout à fait. Les deux fonctionnent. Exactement. Très bien. Brice, on commence à peine. Merci beaucoup. Mille fois merci. Belle journée à vous. Merci beaucoup. Et on va enchaîner, Jérôme, avec un dernier invité. Nous allons recevoir tout de suite le monsieur qui s'occupe de la recherche et de l'innovation chez Engie, parce que c'est la semaine de l'innovation Engie ici au Village Baïséa. Et c'est donc Thierry Leperc qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Bonjour Thierry Leperc, nous sommes très heureux de recevoir. Vous êtes directeur de la recherche et de l'innovation chez Engie, tu l'as dit. Et c'est vrai que nous sommes en plein dans cette semaine de l'innovation. Mais c'est quoi cette semaine de l'innovation ? Alors c'est un truc un peu incroyable parce qu'on est un grand énergéticien qui d'habitude est plutôt là pour gérer des actifs existants et qui là plonge depuis maintenant 2 ans dans ce maelstrom incroyable, ce bouillonnement du monde des startups et non seulement qui plonge mais qui organise des événements parce qu'à la base c'est une grande célébration mais avec des événements très pointu sur tout un tas de sujets dans le monde entier. C'est 26 pays, 150 événements. Et puis c'est surtout trouver les innovations de demain qui vont peut-être faire grossir votre business. Il ne faut pas se voiler la face. Vous êtes là aussi pour investir sur les startups de demain.
Tout à fait. Les entrepreneurs sont la source de l'innovation. À titre personnel, en tant qu'entrepreneur... Oui, parce que alors, vous êtes fraîchement arrivé, vous, chez Engie, hein, et vous étiez entrepreneur avant de... Oui, d'ailleurs, j'ai tendance à considérer que je le suis toujours. Effectivement, entrepreneur plusieurs fois, d'ailleurs, ayant créé des sociétés dans plusieurs secteurs. D'abord, dans le secteur du financement des technologies. Ensuite, dans le conseil en innovation. Et puis, pour terminer, dans l'énergie solaire, Solaire Direct, société qui, aujourd'hui, fournit de l'électricité à peu près 1 million de personnes dans le monde entier et qui a rejoint le groupe Engie il y a 6 mois. Et voilà. Et donc, c'est une histoire intéressante, d'ailleurs, assez révélatrice, puisque je suis entrepreneur. Et c'est cette qualité qui a été, en quelque sorte, reconnue et consacrée par le fait que j'ai été appelé à participer maintenant au comité exécutif du groupe, avec donc une responsabilité très importante qui va bien au-delà du solaire, puisqu'il s'agit de conduire la stratégie d'innovation et de technologie du groupe. Diriger une entité de start-up, il faut être entrepreneur pour le faire, en fait. Et ça paraît logique, finalement. En tout cas, il faut avoir la fibre entrepreneuriale. Je vais même plus loin, parce que dans cette affaire-là, ce n'est pas simplement une entité sympathique et branchée au sein d'un groupe qui le serait un peu moins. C'est le groupe lui-même qui se modifie radicalement. Et l'expression de ma présence au comité exécutif, c'est ça. Ce n'est pas simplement de dire qu'on organise des événements, c'est dire que ces événements, cette relation avec l'écosystème, c'est la base de quelque chose de beaucoup plus fondamental qui est la réinvention de ce groupe. Quels sont les premiers fruits que vous pouvez tirer de tous ces investissements et de toutes ces start-up que vous soutenez aujourd'hui depuis, vous le disiez, depuis 2 ans ? Alors 2 ans, c'est quand même court. Simplement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a deux domaines de rupture qui nous intéressent et sur lesquels les investissements dans les sociétés, via ce qu'on appelle notre véhicule de venture qui s'appelle Engie New Ventures, et l'incubation de sociétés en propre, mais aussi toute la relation avec l'écosystème. Il y a aujourd'hui 2 domaines clés que sont les nouvelles technologies de l'énergie décentralisée. Ça inclut tout ce qui est gestion des réseaux, le stockage, l'hydrogène, la production bien sûr d'énergie renouvelable. Smart grid, etc. Smart grid, et puis les technologies digitales. Parce que tout ça, en fait, on a la convergence de ces 2 trucs-là. Aussi sûrement que les fintechs sont la convergence des technologies, des techniques de la finance traditionnelle et des technologies digitales, eh ben on pourrait presque parler des entechs, qui sont la convergence de ces deux-là. Et l'expression qu'on a aujourd'hui de tout ça, c'est ce bouillonnement, ces premières participations, et quelque chose qui doit servir de base à une stratégie très ambitieuse. Alors, ce qui est intéressant, ce sera notre dernière question, c'est que aujourd'hui, je suis ingénieur chez Engie. J'ai un projet, j'y crois. Vous allez pouvoir accompagner cet ingénieur qui est salarié chez vous et l'aider à lancer son business. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'une de nos qui vient de créer sa start-up. Oui. Tout à fait. C'est l'idée qu'il y a effectivement au sein du groupe des entrepreneurs en herbe qui peuvent créer leur entreprise, qui doivent être accompagnés. Ça n'est pas néanmoins qu'une démarche personnelle d'accompagnement personnel, de projet, même collectif. C'est une démarche stratégique. Ce qui intéresse le groupe ici, c'est le levier qu'on peut faire en termes de nouveaux business sur la base de ces créations d'entreprises. Eh bien voilà, merci beaucoup. Merci Thierry Leperc, nouveau donc directeur de la recherche et d'innovation chez Engie. Et bonne semaine de l'innovation ici. Ça commence bien. Voilà, ça commence bien. Ce Merci. Village Startup est terminé, Jérôme. C'est la fin de ce 7e Village Startup. On espère vous avoir fait découvrir encore plein d'innovations, toutes ces innovations françaises. Et puis, on se retrouvera prochainement parce que ce n'est pas ça qui manque, les bonnes idées en ce moment. Et c'est ça la chance qu'on a, c'est qu'il y en a plein dans notre pays. Portez-vous bien et à très vite sur Zéronet TV. Salut à tous.